Et salut à tous les gars, c'est Chihuahua. J'espère que vous allez bien parce que franchement, moi je pète la forme aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve sur le fameux jeu BIM NJ Drive. Alors, c'est un jeu de simulation de voiture réaliste, si je ne me trompe pas. Bon, franchement, moi je vais bien. Vous allez bien, ça marche. Si vous n'allez pas bien, écrivez-moi en commentaire si vous n'allez pas bien. En ce moment, je vais faire beaucoup de vidéos longues. Donc, le jeu, franchement, vous allez avoir un peu de lag vu que mon PC est pas très très ouf. Donc, déjà, on va choisir un autre map. Italie ou Ottawa. Déjà, il y aura un épisode 2 sur cette vidéo où je rajouterai vos voitures sur le jeu là. Sur ce jeu là. Vous écrivez des voitures et je les rajoute sur ce jeu. Moi je dis franchement, on part d'un truc classique, on part en Italie. Hein. Allez, on va spawn à. Tiens, à Norte. On va spawn à Norte, tu vois. À Norte. Donc les gars, on se retrouve dans 2 secondes pour la coupure qui pour moi va durer 4 minutes. C'était Chihuahua. À dans 2 secondes pour vous. Et donc, les refs, on se retrouve maintenant in. Italia, comment je dirais, in Italia. In Italia. In Italia. Voilà, là, je me retrouve avec mon petit pick-up. Donc, mon petit pick-up qui roule assez bien, hein, franchement. On a un problème de faire avec. Donc là, les gars, on se retrouve in Italia. Poltrone sofa. Oui, je sais, je suis italien. Moi je ne suis pas du tout italien. Pas du tout italien. Donc là je roule vite. Très très vite. Donc là par exemple imaginez je vais drifter. Hop. Drift de la mort. Hop. Oh non ma voiture elle est cassée. Plus de roues. Hop. Allez on repart. Ah bah non j'ai plus de roues. Je peux plus rouler. Bon allez plaisanterie. On va prendre une vraie voiture de course les refs. Vraie voiture de course. Hop on s'arrête au sol. Et voilà on se retrouve avec notre voiture de course. Regardez-moi ce véhicule. Incroyable. Regardez-moi. Elle a même une bouteille de nitro, les refs. Regardez-moi. Écoutez-moi. Si on ne peut pas faire du dérapage avec ça, je ne me rendrai pas. Allez, hop. On monte à l'intérieur. Waouh. Franchement, les gars, il faudra vraiment acheter cette voiture. Allez, hop. On va faire ça. Regardez, on peut même... Le drift, il marche pas trop sur cette voiture, j'ai l'impression. Bon allez, imaginez là vous arrivez le matin. Ma voiture est nouvelle, je l'ai achetée grâce à Chihuahua. Je vais aller Centro Colobolo et Ilio. Vroom vroom, allez hop. J'ai Centro Visibilio. Lio ma voiture. Ah là là, quelle belle journée. Bien sûr. Mon véhicule me coûte carrément pas cher et peut faire du tout-terrain. Allons tester le fameux tout-terrain. Allez les gars, on va tester. Ça va, mais non, mais les gars, c'est rien, faut pas s'inquiéter. Regardez-moi, elle a que dalle la voiture. Elle a juste une roue un peu abîmée. Regardez, magie, hein. Magie. Regardez, hein. Voilà, bah la voiture maintenant elle est pas cassée. Mais par contre, elle a du mal à avancer. Vroom, vroom. Vroom. Allez, hop, dérapage. Accident. Vous avez vu, elle est trop bien en tout terrain, les gens. Vous voyez là, par exemple, regardez comment elle tient bien le coup. Hop, dérive. Vous avez vu? Incroyable. Oh, un peu réduit. Un peu rayé là. Ah bon bah les gars allez, on part en tout terrain d'accord. Mais vous commencez bien en tout terrain. J'ai trouvé la terre sur la baraque. Les gars on est sur le toit. Non. Les gars on est accrochés sur le toit. Imagine tu te lèves le matin tu vois une espèce de Twingo tuning. Twingo bizarre là sur ton toit. Comment tu réagis là? Ma voiture est bloquée sur mon toit. Tiens, hop, oh, bah elle a réapparu. Bon, allez, sans rigolade, on va vraiment prendre une bonne voiture là.
Enfin, après, vous avez un menu assez classique pour choisir vos voitures, genre c'est assez de mode. Le Berlingo, la Citroën, elle marche pas très bien. Voilà. Franchement, t'as le Mercedes, il me donne vraiment envie. Mais là, imaginez les gars, on va prendre le Clio 4. Je prends la Clio 4, d'accord? Ouah, t'en as plein de versions. La bleue, elle est vraiment bien. Allez, on prend la bleue et on se retrouve. Et hop, on se retrouve avec ma petite Clio TCE. TCE. Qu'est-ce qu'il a l'autre? L'intérieur fidèle à la vraie vie. L'intérieur vraiment fidèle. Ouais, vous entendez l'accélération de trucs là? Je sais pas si vous avez le son du jeu. Wow. Oh. Par contre, la voiture, les voitures ne se rayent pas dans ce jeu. C'est censé être de la physique réaliste, mais les voitures ne se rayent pas. Je suis bien là tout. J'allais dire quand même ma Twingo. Cette accélération, regardez où est-ce qu'on va passer sans interdit, vu que nous on est trop des thugs en fait. Ah, vous voyez, même les suspensions sont dessus. Oh, attendez, j'ai un peu peur là. Bon bah, actuellement les gars, j'ai mon permis, je vous jure. Oh, bah tiens, bah, la voiture elle est pas cassée. Oh tiens les gars, on va faire un créneau. Regardez, regardez bien comment je me gare. Hop, on est garé les refs. Et là, quand vous arrivez comme ça, ensuite cette voiture-là, vous, comme ça, voilà. Technique pour bien se garer. Allez, on repart. Ah, tiens, une accélération. J'aurais peut-être la réparer, hop. Franchement, la map Italie, elle est vraiment très très bien. Franchement, les gars, BeamNG sur Steam, je vais payer 20 balles. Oui. Mais musique et puis je vais faire un choix. T'as vu? J'ai demandé de mettre une musique épique. Allez, c'est vrai. La voiture a pu avancer, je crois. Mais elle est choquée. Donc écoutez les gars, on se retrouve dans ma voiture de patrouille pour intercepter les méchants voleurs. Oulala. On va devoir se trouver dans une pas de malheur. C'est peut-être d'aller vraiment intercepter du tout. Je m'en fous totalement. Attendez les gars, on vient me signaler un truc, attends. Ok, le mec devant moi là, il est pas abonné à la radio. À la radio. Il est fake. Il est pas abonné à la chaîne YouTube. Attendez, vous venez le voir. Hop, coup par boule dans mon crâne. Avance, avance, allez, garde-toi sur le bord. Et abonne-toi à ma chaîne tout de suite, d'accord? Je ne force pas les gens à s'abonner à ma chaîne YouTube. Attends, bon, hop, on a juste un peu abonné. Allez, vite, abonne-toi. Ok les gars. Il s'est abonné, c'est parfait. Bon, allez, on repart. Il y a vraiment trop de gens qui sont pas assez abonnés, c'est pour ça. Abonnez-vous, c'est vraiment vital quand même. Wesh, je suis juste avec la voiture. Mais même le commissariat m'a abonné. Wesh, lui aussi il est pas abonné. Bon, oh, ça va, ça va. C'est juste, faut pas que le service est normal. Ah non, il est abonné, ok, ok. Allez, on repart. Je suis allé sympa cette voiture de police. C'est la Gavril. Oh, lui, il est pas abonné! Vite! Faut poursuivre ce méchant! Le méchant, il est mort. T'as une batterie qui sort de la voiture. Choc, allez, hop! Moi, je me suis garé. Oh,
le mec il a un peu super fort. Allez hop. Bon allez, je repars en patrouille. Ça c'est pas moi, ça c'est les dépanneurs. Moi je suis flic. Tiens, et si on allait passer quelque part là-dedans en Italie? Pizza, les gars. Oh on est trop fort. Je pense que les gens, ça m'a arrivé comme ça, c'est pas de ma faute. Hein. C'est vraiment pas moi. Oh. Oh, attendez, j'ai tellement envie de descendre ça. Toute vitesse. Test de suspension. Hein. On va faire un test de suspension. D'accord, maintenant le test de. Ah! Regardez, regardez-moi ces suspensions incroyables. Vous avez vu ces suspensions? Elle a tenu sur deux roues. Sur deux roues. J'ai envie de cracher ça. Mais ouais. T'as quand même le rétro. T'as quand même le rétroviseur. Elle a bien tenu. Hein. Venez les gars, on va tout en haut, je vais balancer une voiture. On va faire ça, j'ai une voiture parfaite pour le test. Allez. Quand je vous dis parfaite, elle est vraiment parfaite cette voiture. Allez hop. Maman, elle est incroyable. Elle est pas là. Non, pas le Citroën C4 Picasso. Non. Oui. Et les gars, après on va tester une voiture de course. Donc les gars, pour cette voiture, pour la poubelle mobile, écoutez, hop. Je vais rien vous dire. Et on se retrouve là-haut. Bon, allez là, on va se retrouver là-haut. Bon, les gars, on essaye d'aller là-haut, mais... C'est quoi cette poubelle? Mais regardez-moi! Moi, je, par contre, sur la vitesse, son odeur, il est un peu abusé, là. Bon, je crois qu'on peut pas monter en haut. On peut juste l'accidenter. Oh non, ma Tesla! Non, c'est vraiment dommage qu'elle soit abîmée. Oh non, purée. Ah, ma Tesla est en train de se casser. Ah oui, non, c'est pas bon, ça, on va sauter de là. Hop. Non, ma Tesla! Mais que c'est dommage! Oh non! Oh non! Oh la Tesla s'est brisée! Hein. Oh non! Ma voiture! Tout cassé! Ah bah elle risque de ma voiture! Oh non bah! Allez les gars, on va refaire le test, on se retrouve juste en haut! Les gars, on arrive tout en haut et là, regardez, on va faire une tourne. Vraiment, désolé, la voiture était pas très à mon goût, c'est pour ça qu'elle est un peu accidentée et tout. Bonjour là! Oh, elle a pris cher. Ouais, bon, elle a vraiment pris cher. Donc là, on va passer à la voiture. Mamma mia. Et on se retrouve, d'accord? Et donc, les gars, on se retrouve avec la Toyota GR Supra. Alors là, les refs, on est sur un bolide. C'est ça, les gars, je vais vous faire avec la prochaine fois, dites-moi une voiture. Un bolide dans les commentaires pour que je le connaisse. Bon, j'ai fait une esquive. Une esquive de la montre.
voiture vient littéralement de décéder, d'accord? Un petit accident. C'est rien à voir. Là, je me rends compte que je suis déjà à 22 minutes de tournage. Pour vous, hein, si vous êtes encore là, si vous êtes encore là, tapez sur 6 ou 9. C'était pas censé être un énorme crash tech. Oh, regardez-moi dans quel état. Allez, on va faire un. Je vous laisse finir, c'était Chihuahua. Et je vous laisse avec ce petit truc là que je vais vous faire, essayer de vous faire. Thank you.